Et ça touche Pierre Damien, on se retrouve pour le Grand Prix de Belgique 1997 à Spa-Francorchamps, toujours évidemment, hein, le fameux circuit dans les Ardennes. Et on va donc démarrer l'entraînement, les qualifications, on va juste configurer la voiture. Alors, on va baisser les ailerons, alors de manière assez drastique, parce que honnêtement, c'est super compliqué. Je vais tenter 20 ailerons et 17-16, pas plus, hein, en force avant-arrière. Parce qu'on se fait démolir en essai, hein, complètement. Hein. Trop de vitesse de pointe, je pense, que je n'ai pas. Et du coup, en essai libre, on était à un bon 6 secondes de retard. Alors c'est un circuit qui est assez long, hein, donc c'était pas trop gênant. Mais là, il va falloir faire beaucoup mieux, hein, si on veut en tout cas tenter quelques trucs. On va privilégier la vitesse de pointe, puisque certes, il y a des virages, mais bon. On va essayer de voir ce qu'on peut faire avec ça. Allez, c'est parti. Allez, l'épingle après la montée. Bon, là c'est facile, de toute façon, dans F1 97, hein, la montée, il n'y a pas trop de, difficultés. Les ailerons avant de ces voitures ont dû être modifiés ces dernières années. Ils sont maintenant plus épais et plus arrondis aux extrémités de façon à diminuer le risque de crevaison en cas de choc. Il va falloir tisser large pour avoir la meilleure vitesse de sortie. La sortie de ce virage est assez compliquée. Elle a une tour en 46-9, ce qui est très très loin des meilleurs temps. On va essayer de faire un petit peu mieux. Je me tâte même à pas être d'aileron en fait. Mais il faut quand même pouvoir tourner dans les virages un peu plus lents. Si je me souviens bien, je crois qu'il avait gagné en 97 et Fisichella avait terminé deuxième sur la Jordan. Et il avait plu hein, pendant la course. Et voilà. Ah, je m'en serais douté. Sur vitesse. Je ne pense pas qu'il arrive à améliorer son temps. Il est en retard au deuxième temps intermédiaire. Bon, je vais tenter un troisième tour au cas où. Il rétrograde en seconde. Troisième. Il passe la cinquième. Cinquième. La course qui s'annonce assez longue, hein, puisque le nombre de tours ne diminue pas.
Allez, une dernière tentative. Voyons combien il fait par rapport au temps de qualification précédent. Son chrono s'améliore sur le premier tronçon, mais il ne va toujours pas aussi vite que le plus rapide des qualifiés. Cela ne suffit pas d'avoir de la chance, il faut encore être bon, et c'est son cas. Alors on est pas mal dans le premier secteur. Voyons combien il fait par rapport au temps de qualification précédent. Il améliore ses performances personnelles mais reste encore derrière le leader des qualifications. Alors, si j'arrive à sortir à fond ici, je gagne du temps. Ouais, faut vraiment faire gaffe de ne pas mettre un coup d'accélérateur quand on est sur le vibreur. Parce qu'on va partir instantanément dans le mur. Ouais, je fais un peu mieux, mais je ferai pas beaucoup mieux. 4 secondes de retard, on va faire fin de qualification. On va revenir à la conversion de la voiture et je vais réduire encore un peu les ailerons. Histoire d'avoir le maximum de vitesse de pointe, hein, que ce que je vous dise. Alors, oui, j'étais pas censé regarder, c'est pas grave, de l'heure, j'ai même pas regardé, je crois. J'ai juste vu le premier. Du coup, en force d'appui, on va baisser. On va mettre 10 et 15 en arrière. J'ai tellement envie de mettre 0. Allez, démarre la session. J'ai juste vu 9 en pole. J'ai pas fait gaffe à quel plat j'étais, mais je crois que je partais loin. Enfin, en tout cas, j'ai vu un numéro à deux chiffres et j'étais pas dedans. Bienvenue sur le superbe circuit de Spa-Francorchamps qui accueille le Grand Prix de Belgique. Il s'agit très vraisemblablement du plus beau circuit du monde. Toutes les difficultés sont rassemblées sur ces 6 km 900. Ligne droite, virage large et rapide, chicane étroite et l'impressionnant raidillon de l'Eau-Rouge. Le site est tout aussi spectaculaire et permet aux spectateurs, grâce à des positions avantageuses, de profiter au maximum de la course. Ce circuit est le circuit préféré de Michael Schumacher, qui non seulement y triomphait l'an dernier, mais qui y a fait ses débuts en 1991 et y a remporté sa première victoire l'année d'après. Ok, bon, on est pas dernier, mais c'est pas trop ça, c'est pas grave, on va faire avec. En général, il y a toujours un petit peu de mieux en cours. Les feux rouges commencent à s'allumer. Et c'est parti. Let's go now for the Belgium Grand Prix 1997. Voici maintenant le moment crucial. C'est Salo. C'est une course de première. Salo. Il a forcé le passage. Allez. Avec pas d'aileron, est-ce que ça va passer? C'était vraiment un excellent départ. Allez, c'est le seul moment où je pourrais en profiter, c'est de ne pas avoir d'aileron. C'est les grandes lignes droites. Ouais, bon, enfin, ils reviennent quand même, hein. Il soumet sa boîte de vitesse à dure épreuve. Et là, la difficulté va commencer, puisqu'il va falloir réussir à prendre tous les virages. Ouais, bon, enfin, ok, on fait déjà bouchon, ils sont là, loin devant.
J'ai 4 secondes de retard dans un secteur, c'est incroyable. Ouais, ok. Bon bah déjà, je sais que c'est vraiment mort parce que même avec de la vitesse ça passe pas. Et dans les virages lents, bah on y botte quand même, en fait, une botte partout. Tout le secteur on est battu. Regardez, regardez. Même là l'aspiration, j'arrive pas. Bon, quand même, on peut quand même pas se laisser faire, hein, on va essayer de... Nous voilà dans le deuxième tour maintenant. Ça y est, il comble l'écart. Bon, bah, j'aurais pas réussi non plus. Il y a vraiment que dans la fin de la montée que j'avais remonté. Fin de la montée que j'avais remonté. Allez, ben là non. Regardez, je vais pas assez vite. Il cède du terrain. Oh, il y a un accident devant. Il est entré en collision avec Alési. On n'a même pas pu en profiter, c'est dommage. Je regarde maintenant le classement de la course. En premier, Hans-Harald Frenzen. Deuxième, Michael Schumacher. Troisième, Williams numéro 1. Ouais, je peux tellement rien faire. En quatrième, Eddie Irvine. En cinquième, Gerhard Berger. En sixième, Giancarlo Fisichella. Bon, et aspiration aussi, hein, ça aide vachement, mais... Si je jette un coup d'œil à leur performance autour, ils tournent moins vite que l'homme de tête. Oh, sans rire. Une Minardi va aussi vite. C'est n'importe quoi. J'aurais dû mettre 0 d'aileron en fait. Même avec 0, je pense qu'il m'aurait rattrapé. Mon problème, c'est que j'ai du mal à prendre la chicane avec aussi peu d'aileron. Troisième tour maintenant. En plus, oh, j'ai réussi à me louper avec cette. J'ai réussi à me louper dans la ligne droite, quoi, c'est incroyable. Ouais, pauvre tourlier là, il a rien demandé. La distance s'accroît. Bon, bah, ça va être une course pénible, hein, je l'annonce. Au mieux, je vais laisser passer mon équipier. Je sais jamais. Oh, 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 j'ai réussi. Et Verstappen l'a doublé à son tour. Allez, Verstappen. J'ai l'impression de faire la même chose que j'ai fait avec la Midland sur le Formula One. Sur la F1 Championship Edition PS3 en Hongrie. Regardons le classement de la course aux places suivantes. 12e. Bon, enfin, c'est peine perdue, de toute façon, il y a trop de retard. Trop de retard devant. 14e. Nicolas Larini. On pourra pas dire que j'ai la meilleure voiture, en tout cas, cette saison. Il a fait un travail fantastique. Ça, c'est une puissante accélération. Il cède du terrain.
C'est dans un Grand Prix comme celui-ci que ses nombreuses années d'expérience en Formule 1 vont faire la différence. J'aime bien ce qu'il me parle de nombreuses années d'expérience, mais des fois il dit que je suis un rookie, alors c'est un peu paradoxal. La distance s'accroît. Bon, en fait, c'est pire en course qu'en qualif. Hein. Je pensais que ça serait un peu l'inverse. J'ai un petit espoir quand j'ai remonté la première fois la montée et que j'arrive à rattraper, mais ça s'est arrêté très vite. Mais honnêtement, je pense que humainement, c'est impossible. Peu importe les réglages. Si vous y arrivez, franchement, mais vous montrez, hein. Vous mettez le mode le plus difficile, vous prenez la Tyrrell et vous essayez de voir si vous arrivez à gagner en faisant exactement le même mode de jeu. Nous en sommes à la mi-course maintenant. Les premières positions sont: premier, Hans-Harald Frentzen. En deuxième position, Michael Schumacher. En troisième position, Eddie Irvine. En quatrième position, Williams numéro 1. Cinquième, Gerhard Berger. À la sixième place, Giancarlo Fisichella. La distance s'accroît. Non, c'est impossible. Vraiment, hein, essayez, je vous dis, vous allez mourir, quoi. Profitez-en, imaginez c'est une vidéo ASMR avec des abeilles, et puis c'est bon. Ça, c'est une puissante accélération. Non, mais la vitesse de... incroyable. Septième. Jean Alesi. Oh putain. C'est... Oh la vache. Huitième. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec Mika ça, quoi. Hakkinen. 9e, Ralf Schumacher. 1 place. Je sais même pas quoi répondre à ça, quoi. Il n'arrive pas à suivre l'allure que lui impose le leader de la course. Je pense qu'il doit y avoir quelques... Je n'arrive même pas à être à leur niveau, quoi. À tous les virages, ils me roulent dessus, quoi. C'est déprimant. Est-ce que je vais réussir un dépassement dans ma vie? Ici, Spa-Francorchamps, allez, vas-y, bouffe-le! Regardez ça! Il vient de heurter Larini! Ouais, je m'en fous! Vas-y, double, putain, on va se faire dépasser! Voilà, je sais bien. J'ai quand même tenté le coup de le redépasser, on sait jamais. Oh ouais, ça passe. Il vient de heurter Larini.
Oh là là, ma seule chance. Dans sa boîte, j'arrive même pas à la rattraper, c'est n'importe quoi! Au secours! Il change les vitesses à toute allure! Non, mais vraiment. La distance s'accroît. Voyons comment se compose le classement maintenant. En tête de la course, Hans-Harald Frentzen. Deuxième, Michael Schumacher. Troisième, Eddie Irvine. En quatrième, Williams numéro 1. Cinquième, Gerhard Berger. Et voilà. En sixième position, Giancarlo Fisichella. Je trouve qu'il est derrière moi en fait. Comme souvent. Dès qu'il franchit la ligne, il ne lui reste que trois tours à faire. Et l'écart se comble. Je crois que c'est la première fois que j'entends ce mot dans le Grand Prix. Ah ouais, non mais c'est bon, toute la grille est plus rapide que moi, hein. Même pas besoin de réfléchir. Toute la grille est meilleure que moi. Les deux voitures se sont touchées, c'est sûr. Mineur, on dirait pas comme ça, mais entre F1 2006 et Formule 97, ça fait vraiment plusieurs semaines d'affilée de... Comment dire... Qu'on est dans un mood ultra difficile, quoi. Enfin, il faut vraiment... Faut vraiment garder la tête froide, hein, parce que c'est pas... On est dans la défaite continuellement. À part 2-3 sursauts, on va dire, dans le 97, hein, parce que sur le 2006, c'est mort. Hein, sur n'importe quelle course, j'y arrive jamais. Mais bon... C'est waouh quoi. Ralf Schumacher. À la 11e place, David Coulthard. Mais bon, en tout cas, j'aurais pu vous montrer qu'on a beau être très bon dans le jeu des fois. J'ai quand même gagné le championnat avant, hein, plusieurs fois, donc je le sais. Quand on a une voiture pourrie dans le dernier mode, là, c'est impossible. Et je ne parle même pas de fin 2006 où c'est un peu pareil. Même si c'est plus ma faute et un peu l'IA quand même. Là, c'est totalement la voiture. Enfin, je veux dire, je peux rien faire, quoi. On peut pas tourner. Et bon, c'est réaliste au moins. Non mais... J'arrive même plus à prendre des virages, quoi. Il recule un peu. Les arrows sont vraiment mauvaises par contre, hein, parce qu'elles sont vraiment loin là. Peut-être que les arrows sont pires. Ouais, peut-être. À voir. C'est vrai que j'ai pris la Tyrell, mais peut-être que la rose était
Un cran en dessous, je sais pas. En 97, en tout cas, non. En vrai, non. Donc, c'est bizarre. C'est peut-être pire au tout début de la saison, mais ça s'est vite corrigé. Et maintenant, il attaque son dernier tour. Allez, dernier tour. Et l'écart se comble. C'est une victoire pour Hans-Harald Frentzen. Oh, Frentzen. Je suis sûr que cette victoire va faire énormément plaisir à Frank Williams et à toute l'écurie Williams. Deuxième, Michael Schumacher. Troisième, Eddie Irvine. L'écart se creuse. J'ose même pas imaginer ce que ça aurait donné si j'avais gardé les allons à 50. Ça, c'est une puissante accélération. Parce que quand j'avais plus d'aileron, je tournais encore plus, je tournais plus lentement. Hein. Je tournais deux secondes plus lentement. 20e, Mika Salo. Il a terminé, mais je sais qu'il veut faire. Mais je sais qu'il va faire. C'est dommage, dans ce jour, on ne pourra entendre jamais la fin de ses explications. Bon, bah écoutez, c'était pas folichon. J'ai eu une once d'espoir au tout début, mais ça s'est très très vite dissipé. On finit à 1 minute 11, tout va bien. Alors c'est Villeneuve, Berger et Fisichella là qui et 1:47.121. Je tournais au moins 7 secondes plus lentement. Du coup... On est toujours 3ème au championnat, mais comment c'est possible? C'est Frentzen ex aequo avec Michael Schumacher. Pas mal. 4ème au championnat. Bon, Benetton va reprendre, hein, c'est un peu logique. Jordan McLaren, ok. Pourquoi pas. Eh ben écoutez, on va se retrouver à Monza, un circuit qui ressemble un petit peu, je dis bien, à Hockenheim. Donc peut-être quelque chose à tenter. Hein. On avait bien réussi en Allemagne, donc peut-être que ça va nous faire redécoller ce genre de circuit. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour la suite en Italie. Ciao tout le monde.